Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Bien évidemment, au commentaire, la fine équipe, c'est-à-dire Pierre Ménès et moi-même Hervé Matou. Un match de la première journée dans ce groupe du tournoi d'avant-saison, Arsenal face à l'International. Oui, c'est le premier match de la pré-saison. C'est le moment de commencer à travailler les automatismes entre les joueurs, de jauger aussi un peu l'état de forme des uns et des autres. C'est en fait le moment où l'entraîneur commence son vrai travail. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Et le but ! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Très bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur. Beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Qui est sorti des limites du terrain, ça va être un renvoi en 5m50. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. La parade du gardien qui repousse le ballon. Oh, le sauvetage incroyable. Ouais, sur la ligne. Allez, peut-être une bonne touche là. Il a eu le bon geste, vraiment, c'est jamais évident d'intervenir dans ces situations. Les choses qui ont bougé à l'intersaison avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Allez, il peut s'échapper là. Allez, c'est pas fini encore. Oh, le voilà! On revoit ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. Ensuite, c'est simple, le premier fixe le gardien et l'autre marque. C'est cruel, hein. Moi, j'aime bien quand c'est cruel. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Arsenal est basé dans le nord de la capitale londonienne. Oui, qui joue maintenant depuis plusieurs saisons dans un nouveau stade. Très beau, très fonctionnel, avec très peu d'ambiance. L'arbitre indique le poteau de corner. Liliane qui cherche un partenaire dans la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Le centre pour la casette. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Il cherche le premier poteau. Ouais, il ne s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Il faut trouver une ouverture. Ah, il aurait dû retarder son appel. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Le bon ballon donné par-dessus. Il centre au second poteau. Cette tête qui ne l'a pas assez rabattu. Ah, ça passe pas loin quand même. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Alors, centre peut-être dans l'axe. C'était puissant, mais pas précis. Non, ça pour la précision. voilà.
Un ballon perdu pour Arsenal. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ah, il fallait tacler, bien joué. Assez faible aujourd'hui le pourcentage de possession d'Arsenal. Mais bon, vous le voyez, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Ça n'empêche pas cette équipe de mener au score et d'être suffisante. Attention, attention à lui. Willian qui marque. Oh, c'est le genre de situation qu'il aime bien. Qui avait fait un gros travail en éliminant ce défenseur. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Une première période qui vire à la démonstration. Poursuit son action. Oh, c'est bien donné en profondeur. Bon, attention, c'est pas fini. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Il faut qu'il centre là. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ballon qui file en corner. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Attention! Eh oui, il y est! Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. C'est donc la mi-temps sifflée à l'instant par l'arbitre sur ce score de 3-1. Début à l'instant de la seconde période. Et encore 45 minutes à jouer, Hervé, dans ce premier match de groupe de la Coupe d'Amérique du Sud. Quelqu'un pour l'aider. Ah non, ballon perdu. Pierre-Emerick Aubameyang avec Willian. Alexandre Lacazette. Centre peut-être, allez. Alexandre Lacazette. Oh, l'occasion pour Willian. Le gardien qui repousse. Ah là, c'est pas fini encore. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. D'après certaines sources, Tottenham aurait contacté un club pour lui faire une proposition de transfert. Oh, on essaye simplement de faire monter les enchères, Hervé, cette bonne guerre. La frappe, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oui, attention. Il centre au second poteau. La reprise, magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Ensuite, la puissance fait le reste. Bon équilibre, bonne distance de frappe. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue.
Score qui est maintenant de 4 buts à 1. On a atteint l'heure de jeu. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Allez, oui, il va y aller. Et le but, magnifique. Il est rentré quoi, là, il y a quelques minutes. Et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. C'est ce qu'on appelle une réponse rapide. Ouais, c'est pratiquement sur l'engagement qu'il marque, non? Ouais. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. 4 à 2. Avance de deux buts au tableau d'affichage. Ballon perdu pour Arsenal. Une belle intervention près de la ligne de touche. Les 30 derniers mètres. C'est parti dans la surface. C'est bien défendu. Bien défendu. Le centre qui est contré. Alexandre Lacazette. Oh, que c'est bien donné ça. Attention, ce ballon piqué. Un superbe balle piqué pour tromper le gardien. Contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Et le buteur qui finit le travail en humiliant un petit peu le gardien au passage avec ce petit ballon déposé juste derrière lui. Allez, changement, il sort après avoir rendu une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique. Il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. On transmet ce ballon. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ah oui, la bonne passe. Et l'action n'ira pas plus loin. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. C'est même qui bénéficie du coup franc. L'entraîneur qui va faire un changement. Arsenal bien parti pour s'imposer. Ouais, on sent une belle osmose entre les supporters et les Gunners. C'est pas toujours le cas. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ouais, c'est joué par-dessus. Oh, personne pour l'arrêter, et attention! Hors jeu, il est parti trop tôt. L'entraîneur qui choisit de faire un changement.
sur l'aile. Ouais, très bon tacle. On va jouer 3 minutes de plus. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. C'est terminé, la fin du match, Pierre, et donc la victoire à domicile. Équipe remarquablement organisée, redoutablement efficace. Belle victoire. Un petit mot, Pierre, sur la prestation personnelle d'Aubameyang dans ce match. Belle prestation de sa part, vraiment, avec 2 buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui, et il a bien raison. Allez, il peut s'échapper là. C'est le coup d'envoi de ce match, comptant pour la 2e journée de ce groupe. Oui, après une première journée plutôt intéressante, ça va encore monter en puissance là au fil des matchs. Mulić, allez dans la boîte, il y a du monde. Ah, le mauvais dégagement là, attention. Willian. Willian, bien joué dans l'espace. Oh, la parade exceptionnelle! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique, et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Alors, le ballon qui est dégagé. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Arsenal s'attend à un match difficile. Bah oui, l'adversaire est de taille, ça devrait être serré. Ça peut être dangereux, attention. La reprise, magnifique! Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ils font bien circuler le ballon, ils sont patients. Alexandre Lacazette pour Thomas Partey. Ouais, impeccable ce tacle. Ce sera une touche. Ouais, il a bien lu le jeu. Lucas Leiva. Ouais, c'est une touche. Arsenal, qui est l'un des plus anciens clubs de la ville de Londres. Alors tiens, est-ce que tu sais d'où vient le maillot rouge d'Arsenal ? Non. Eh bien, comme ils étaient trop pauvres, ils se sont fait prêter un jeu de maillot par Nottingham Forest. Ah ouais ? Ils jouaient en rouge et blanc, voilà, comment ils ont gardé ses couleurs. Allez, peut-être une bonne occasion. Milinkovic-Savic. Attention à cette bonne passe en profondeur. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. C'est un arrêt décisif que vient de réussir le gardien, vraiment. Si son équipe arrive à retourner la situation, on se souviendra de ses exploits. Thomas Partey qui intercepte. Aubameyang, il va y aller. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Les Gunners qui n'ont pas trouvé la faille pour le moment. Les 30 derniers mètres.
Ouais, c'est bien joué de la part des Ladiale qui ont repris le ballon. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Willian. Ah non, cette action qui s'arrête. Luis Alberto. Lucas Leiva. À Serbie. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il va chercher ce ballon un petit peu plus bas pour essayer de créer un peu de mouvement. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. On est un petit peu déçu quand même par cette première période. Ouais, ben ne désespérons pas Hervé, il reste encore 45 minutes. C'est sûr qu'on aurait aimé voir plus de buts. Willian. La première mi-temps a été difficile. Tiens pour Arsenal. On les imagine remonter en ce début de seconde période. Chaka. Un ballon perdu pour Arsenal. La petite passe en cloche. Thomas. Un ballon perdu pour Arsenal. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Il garde le ballon. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Cette tête qui manque le cadre assez largement. Ouais, il l'a joué comme, un peu comme il l'a pu. Il était bien pris au marquage. Essayant louche un petit peu. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Ah mais on peut dire que ça a été chaud hein, pour la défense. D'après des informations qui circulent, Liverpool aurait fait une offre pour le recrutement d'un joueur. Bon, on essaye simplement de faire monter les enchères, Hervé, cette bonne guerre. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Oh, le bon ballon. Une tête pas assez appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Alexandre Lacazette. Aubameyang qui perd la possession de la balle. Petite erreur technique. On sent que l'équipe qui reçoit est déterminée depuis un gros quart d'heure. Elle a souvent le ballon, avec à la clé pas mal d'occasions. Et attention, si l'une d'elles va au fond, l'équipe adverse n'aura sûrement pas les moyens de revenir. Alexandre Lacazette. Sénat de Lich. Alexandre Lacazette. L'arbitre laisse l'avantage à Arsenal. Attention, il est tout seul. Willian. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Lucas Leiva. Un ballon. Interception. Sergei Milinkovic-Savic. Sénat Lulic. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Et le ballon est récupéré, hein, force de harceler l'adversaire. Ça part bien, action dangereuse. Ouh, quelle passe, la grosse occasion. Il avance balle au pied. Avec bon centre dans la surface. C'est une belle occasion de manquer qui pourrait coûter cher, hein, Pierre. Ouais, de but d'avance, ça aurait été une bonne manière de ne pas trop souffrir sur la fin du match. Allez, 4 minutes. Il reste 4 minutes à jouer. Alexandre Lacazette. Une occasion qui peut permettre à Arsenal d'égaliser dans cette fin de match, pourquoi pas.
une minute. Il y aura une minute seulement de temps additionnel. C'est venu en profondeur. Ah, c'est une faute qu'on va qualifier de tactique, puisqu'elle interrompt cette attaque. Ah, c'est un carton jaune. La faute du joueur d'Arsenal qui n'a pas échappé à l'arbitre. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Attention, hein, ils peuvent tuer le match sur ce corner. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Milinkovic-Savic. C'est parti dans la surface. Et on a dégagé pour écarter le danger. Et le match qui s'achève à l'instant. Cette équipe qui n'aura pas tenu le choc hors de ses bases. Ouais, cette équipe qui s'incline de peu. Elle n'a pas été en dessous de tout, hein. Mais bon, elle a perdu. William,